allez bien. Donc aujourd'hui, je vous filme une story time. J'ai jamais, never fait ça sur ma chaîne. C'est la toute première fois parce que je considère que j'ai pas grand chose à raconter de super intéressant. À part la fois peut-être où j'ai pris un accident et que j'ai rentré ma voiture dans une maison, mais ça c'est une autre histoire. J'ai changé mon petit background. Tom a déménagé son ordinateur dans le fond dans l'autre chambre, l'autre côté. Donc j'ai décidé d'utiliser pleinement la grande fenêtre que j'ai. Je fais des essais là, genre c'est peut-être un peu narcissique là, avec mes rubans et mon trophée en arrière là. Mais bon, j'ai décidé que je voulais les mettre sur mon bureau de travail, donc voilà. Je vais essayer des choses dans les prochaines semaines, on verra bien. Je veux tester aussi la lumière, voir comment ça va. Mais aujourd'hui je vous fais une story time sur mon bal des finissants, ok? Et j'ai décidé de le faire parce que mon amie Justine de la chaîne Just a Look en a fait une cette semaine. Je me suis dit c'est trop une bonne idée de parler de son bal des finissants. Parce que moi, et probablement pour beaucoup de gens, le bal des finissants, c'est une histoire de désillusion. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que on a tellement l'impression que le prom, c'est gros. Puis tu sais, dans les films américains, comme le bal des finissants, c'est quasiment comme un mariage, là, ça n'a pas de foutu bon sens. Alors qu'en réalité, je suis vraiment désolée si vous n'avez pas encore eu votre bal, mais c'est vraiment, vraiment pas si cool que ça, le bal des finissants. J'ai écouté une vidéo d'Élie Pilon cette semaine, qui, je pense que c'était justement sur le bal des finissants. Allez l'écouter, c'est mourant, ok? Si vous n'avez pas encore eu votre bal des finissants, vous comprendrez peut-être pas toutes les références, mais c'est hilarant, je vais vous la mettre en barre d'infos, allez la voir, c'est tellement, tellement drôle. Mon bal des finissants a été, comment dire, une soirée assez merdique, une soirée très banale, et je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en secondaire 5, j'avais changé d'école. Donc j'avais passé, durant tout mon secondaire, j'ai fait 3 écoles secondaires. Donc j'ai pas eu vraiment de gros attachements à une école ou à une gang d'amis particulières au secondaire parce que justement j'ai changé souvent d'école. En secondaire 5, je suis allée à l'école Le Triolet à Sherbrooke, si jamais il y en a qui sont de Sherbrooke et qui connaissaient. Ça a été la plus belle année de ma vie, honnêtement, là, pour vrai, ça a été malade. J'étais dans le conseil des élèves, donc j'ai vraiment super trippé, ça a été fou, on a organisé plein d'affaires. Si jamais vous êtes à l'école Le Triolet, ben, vous pourrez sûrement me trouver en quelque part sur les murs de l'école. Je vous dirais que j'étais pas très très chic en secondaire 5. En secondaire 5, c'est le bal des finissants, bien évidemment que je n'étais pas accompagnée parce que j'avais pas de chum. Je crois que j'aurais pu être accompagnée, j'ai comme su par après qu'il y avait comme plein de gars qui... Ben plein. Il y avait comme 3-4 gars qui voulaient me le demander, mais qui finalement, supposément que je leur ai laissé croire que je voulais pas, alors que personne ne m'a jamais demandé d'aller au bal. Donc je suis allée au bal toute seule. En fait, je suis allée avec une de mes amies, qui était à peu près ma seule amie du secondaire. J'y parle plus aujourd'hui, donc les chances qu'elle regarde cette vidéo-là sont très très faibles. Et dans le fond, on avait décidé de se préparer ensemble cette journée-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce temps-là, je me chixais, mais comme zéro, ok? Je m'étais probablement jamais mis de mascara, je m'étais probablement jamais mis de fond de teint, ce qui est probablement une bonne chose aussi, parce que j'aurais probablement mis ça tout croche, mais genre, c'est bizarre à dire, vu qu'aujourd'hui, j'aime full ça me maquiller, mais je m'étais jamais arrangée, j'avais jamais épilé mes sourcils, puis ça, je me souviens très bien que j'avais vraiment des énormes sourcils, en secondaire 5, à mon bal, je m'en souviens tellement. Malheureusement, j'aimerais tellement pouvoir vous montrer une photo de mon bal, mais j'en ai aucune. La seule photo que j'avais, c'était justement mon ami qui l'avait mis sur sa page Facebook, et on n'est plus amis Facebook, donc... Malheureusement, je ne peux pas retrouver cette superbe photo de moi avec ma robe bleue. Ma robe était comme vraiment droite, bleu poudre. J'avais acheté ça à Montréal, puis elle m'a coûté vraiment pas cher, puis moi j'étais super contente, donc j'aimais ma robe, tant mieux, c'est ça qui est important. J'avais pas une grosse robe de princesse, honnêtement, dans ce temps-là, j'étais vraiment pas... j'étais un peu garçon manqué encore, là, j'ai été un peu garçon manqué toute mon enfance, puis une partie de mon adolescence, je vous dirais qu'à ce moment-là, je me foutais un petit peu d'avoir une petite robe de princesse, genre, j'étais pas... En tout cas, bref, j'étais pas vraiment féfée comme je le suis en ce moment. Et puis donc, on avait décidé qu'on allait se préparer pour le bal des finissants ensemble. Donc on est allé chez elle. Je pense que c'était sa cousine qui m'avait coiffée. Elle m'avait frisé les cheveux, là, mais tu sais, avec des mini boucles qui tournent, qui tournent, qui tournent, là, vraiment pactées, là. J'avais une espèce de touffe, man. Elle m'avait comme ramené la moitié des cheveux en arrière. Mon maquillage, c'était legit, genre du mascara et de l'ombre à paupières bleues. Pourquoi?
pourquoi, j'ai pas compris, c'était ça mon maquillage. Je vous dirais que si c'était aujourd'hui et que c'était à refaire, je me chiquerais pas mal plus que ça. Je me souviens vraiment, là, genre maintenant je pense puis je suis traumatisée de ça. Donc on arrive au bal des finissants et je vous dirais que ça a pas été la soirée la plus extraordinaire de ma vie. Premièrement, on était assis avec des gens que je connaissais à peine. On était assis dans le fond avec les amis de mon ami, mais moi je les connaissais pas vraiment. Tout le long du souper, j'ai trouvé ça vraiment plate. Anecdote, mon ami avait un chum à ce moment-là et il paraît, moi je m'en souviens jamais rendu compte, il paraît dans le fond que son chum, il m'avait crousé, puis moi je m'en étais comme pas rendu compte, ou ben j'étais juste vraiment naïve dans ce temps-là. Et puis, ça aurait créé une chicane entre mon ami et son chum, donc il se serait laissé quelques jours après. J'ai brisé un couple. Ouais. Aussi, j'ai fait pleurer un garçon. Il était assis à notre table et c'est un garçon avec qui j'allais au primaire, ok? Puis il paraît qu'il trippait bien gros sur moi. Puis quand on a eu fini la soirée, il est parti en pleurant dans les toilettes, littéralement. Parce que j'y avais pas parlé ou que finalement, ben, je sais, en fait, je me souviens pas. Je pense que c'était vraiment parce que, dans le fond, j'y avais jamais parlé, genre. Ouais, malaise. Ce garçon, je le croise assez fréquemment, je vous dirais, dans ma vie d'adulte. Et c'est toujours un moment vraiment malaisant quand il se représente à moi à chaque fois pour me dire qui il est. Parce que moi, je fais semblant de l'avoir oublié. Mais ouais, donc j'ai fait pleurer un garçon, j'ai brisé un couple et j'ai bu ma première goutte d'alcool à mon bal des finissants. J'ai bu une Smirnoff Ice, ok? J'ai bu ça de Smirnoff Ice, je me croyais saoul, gang. C'était cool être sous en saison R5, genre, j'avais plus ça, ok? J'étais super triste parce que j'avais pas vraiment de lien avec les gens avec qui je finissais mon secondaire. C'était quand même difficile cette partie-là de voir tout le monde être super content puis de s'aimer beaucoup puis tu sais. Puis moi, j'avais été impliquée dans mon école parce que justement j'avais été dans le conseil des élèves, mais honnêtement, je connaissais tellement personne puis tu sais. Maintenant, des gens du secondaire, genre, tu sais, il me reste quoi, 3-4 amis du secondaire de toutes mes écoles secondaires. Mais tu sais, le secondaire 5, ça a vraiment été une année hot, mais ça a pas bien fini avec le bal des finissants, je vous dirais. Je pense que comme à 9h15, j'ai appelé mon père, j'ai dit « Viens me chercher, papa, c'est vraiment plate. » Donc, ouais, tu sais, j'étais pas attachée au prof nécessairement, donc j'étais juste pas attachée à l'école. Maintenant, avec un recul, je suis plus attachée à mon secondaire, c'est normal, parce que rendu comme à l'université pis tout, tu te rends vraiment compte que quand t'étais au secondaire, c'était vraiment des belles années. Mais j'ai pas eu un bal des finissants absolument glorieux. Si vous avez eu votre bal des finissants, cette année, je vous souhaite vraiment que ça allait bien été, honnêtement. Je vous souhaite d'avoir eu du plaisir, sérieux. Si vous n'avez pas eu votre bal des finissants encore, s'il vous plaît, genre faites-vous-en pas trop avec ça parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas la soirée de votre vie. Inquiétez-vous pas, il va en avoir d'autres des soirées aussi extraordinaires. Si vous avez l'impression que c'est la dernière fois que vous voyez vos amis, ben croyez-moi, vraiment pas. Parce que les vrais amis auxquels on est vraiment attachés, on finit toujours par les revoir de toute façon. Donc voilà, c'était ma petite story time de mon bal des finissants. N'oubliez pas de mettre un thumbs up si jamais vous avez aimé ce genre de vidéo-là. Je sais que c'est très populaire sur YouTube ces temps-ci. Mais comme je vous disais, j'ai pas vraiment d'histoire vraiment palpitante à vous raconter. Si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe de palpitant dans ma vie, allez me rejoindre sur Snapchat. Parce que je vous raconte toute ma vie. Qui est pas très palpitante ces temps-ci parce que je fais juste travailler puis aller voir mon cheval. Merci beaucoup d'avoir écouté, je vous embrasse et je vous souhaite un très bel été à tous ceux qui ont terminé l'école.